Ah bonjour à tous, salut salut, salut salut salut, merci G-Stark pour le follow, bienvenue à toi, ça fait trop plaisir, bienvenue bienvenue. Bon les amis, les amis les amis les amis, on est reparti, attention claque, bonsoir bonsoir, le jeu va s'afficher maintenant, maintenant, pourquoi le jeu ne s'affiche pas, connard, merci. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live qualitatif de fou, sur de retour sur Jurassic World Evolution 2, où on va partir pour cette fin de soirée. Bon, on est parti pour 1 heure au moins, j'espère, voilà. Donc on va continuer notre mission. Ouf, on développait du dino, tout simplement. Alors, ça dit quoi la qualité du live? Est-ce que c'est qualitatif? Attendez. Oh, ma foi, ça m'a l'air pas mal. J'espère qu'il n'y aura pas de perte d'image. Ok. Ouais, je repousse un peu le fond vert. Alors, voyons voir. Parce que moi, je cherche un peu la qualité d'image au maximum. Ça m'a l'air plutôt sympa. Ah, puis le jeu ne lag pas. Voilà, on va voir ce que ça dit. Voilà. J'espère que ça va aller. Souvent ça lag pour un rien, mais bon, alors on est parti, mes amis, mes très chers compagnons. On va continuer la campagne. Alors, c'est parti. Je dois carte des expéditions, affecte un scientifique à l'expédition de capture. Alors, il y avait un problème ici, alerte incident, traitement plus rapide, influence positive. Elle, hein. Condition 2 sur 2, c'est bon. Bien, commençons par la bonne nouvelle. Nos équipes de capture à distance font du bon travail. Nous recevons régulièrement des dinosaures au centre de contrôle. Et ça me plaît. Ça me plaît. Éviter qu'ils ne tombent nez à nez avec de simples citoyens dans notre dos, c'est ce que j'appelle une grande victoire. Quant à la mauvaise nouvelle, je déteste les apprendre, mais pour être honnête, j'adore les annoncer. Ces animaux nous arrivent avec une maladie non identifiée. Ah, yes. Et nous allons devoir régler le problème ASAP. Eh, ça veut dire au plus vite. Bon. Docteur Doua? Nous pouvons diagnostiquer cette maladie avec les scanners de notre équipe vétérinaire mobile. Nous ne tarderons pas à l'enrayer. Bon. Parfait. Mettons-nous au travail. Du coup, je dois faire un nouvel enclos. Je ne sais pas combien ils sont, donc on va quand même préparer un enclos. On va faire une barrière ici. Ah, je préfère anticiper, il vaut mieux. J'allais dire, je peux pas faire CTRL Z, mais non. Et tu te reconnectes ici, voilà. Ok. Donc on a un enclos qui est quand même... Ah! Capture, 2 ankylosaurus trouvés. Espèce, ankylosaure, capturé, 2 capturés, capture échoué, 0 évasion. Ok, continue. Transit imminent. Alors, si les barrières pouvaient apparaître un peu plus vite... Ce serait le feu. Voilà. Les barrières, s'il vous plaît. Les barrières. Ça pue la merde. Au secours. Les barrières. Allô. Ah, ça va mal finir. Ça va très mal finir. Ah, elles se construisent pas assez vite. Transport terminé. Je pense que ça va être tout juste. Ouais, mais c'est pas du genre. Ils sont pas du genre à rusher, je pense. Alors, juste ça dégage. Ah oui, non, je vais pouvoir.
Ah non, c'est bon. L'enclos est complet. Hop, je vais virer les arbres. Voilà. Histoire qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Analyse médicale. Alors, ok, donc centre de. Ok, équipe. Alors, ah oui, attendez, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer avec l'hélico. Ah, ok, non, je peux pas. Je peux pas. Oh, t'es marrant. Bon, je crois que ça va mal finir de toute façon. Hop. Et alors, je vais construire tout de suite un poste. Bah, ici, du coup. T'inquiète, je vais l'affecter, l'équipe, je vais l'affecter. Je vais l'affecter. Voilà. Tâche de patrouille, ça c'est bon. Et alors, il me faut l'équipe médicale. L'équipe médicale, où est l'équipe médicale? Paléo médical, voilà. Ajouter une tâche et tu vas me contrôler. Les deux loulous. Sans se faire tuer, s'il vous plaît. Voilà. Si j'ai affecté une équipe. Ça a sauté encore. Voilà. Manque de fruits au ras du sol. Ok, bon, on va lui mettre des fruits au ras du sol. Entendons-nous bien. Owen et moi avons accepté de participer à ce projet parce que nous voulons permettre aux dinosaures de s'épanouir. Pas pour les exploiter, les modifier, trafiquer leur ADN et les mettre en péril. Ils ont tout autant le droit de vivre que n'importe quel être vivant. Et peut-être même plus, selon moi, maintenant que la science leur a donné une seconde chance. Alors, faites vos recherches, trouvez un remède et utilisons-le. Effectuez les recherches suivantes. Encore. Okay. Et soyons clairs, nous ne le tolérerons pas. Ah, attendez. J'ai plus de carburant. Alors, utilise une EVM pour diagnostiquer la maladie d'un dinosaure en procédant à une analyse médicale. Une fois identifié, recherche le bon remède de cette maladie au centre des sciences. Une fois la recherche terminée, administre le remède avec une fléchette par EVM. Ok, bon, ça du coup, j'ai fait le plein. Il est où le centre des sciences? Là. Alors, la recherche offre un large éventail d'options pour étendre et améliorer les opérations. Accède à de nouveaux bâtiments et amélioration de bâtiments à de nouvelles espèces et des opérations améliorées. Assigne des scientifiques adéquats à la recherche d'un nouvel élément afin de déverrouiller l'accès au prochain. Ok. Accéder aux recherches. Bien-être, médicaments. Ok, lequel... Ils sont tous verrouillés. Ah oui. Ils sont infectés de quoi? Cryptoporidiose. Cryptoporidiose. Je sais pas assez. 3 sur 4. Attendez un peu. Ah. Maintenant on peut recruter, ça c'est cool. Alors, niveau 2, niveau 2, niveau 2. Bien-être, génétique. Peut-être quelqu'un en génétique. Allez, elle est balèze. Et là du coup, je peux là je peux le faire. Voilà, là je peux le faire. Donc c'est quoi? Ok. Tu me le mets. Voilà. Tac.
reparti. Donc il va rechercher. Faudra quand même que je regarde pour les structures. Ça je ferai ça un petit peu plus tard. Ok. Donc pendant qu'ils font ça, qu'est-ce qu'il leur faut comme... Ouais, ils sont malades, mais à part ça, vous êtes heureux sinon. Oula. Ça, il y aura du sol. Petite clairière comme ça, tac, et là du coup là ils sont bien. Ah c'est limite, et pourtant j'en ai mis la blinde. Soigne tous les dinosaures. Ah donc la recherche a été bonne, c'est ok. Donc je présume que je dois faire centre médical. Ajouter une tâche. Soigner. Voilà, c'est parti. On réapprovisionne. Moi, je dépense sans compter, moi. Je suis pas mal. Par contre, c'est chiant que j'ai que des groupes de secours. C'est pas trop normal de tourner avec un parc avec des groupes de secours. Bon, pendant qu'ils font ça, on va poser... un observatoire, parce que je sais bien qu'on va me le demander après. Je vais le mettre là. Hop, j'ai déjà construit un truc comme ça. Oui, je sais, ça arrive. Hop, moi je prévois déjà en avance, parce que je sais que ça peut dégénérer, parce que ce parc a l'air vachement plus coriace. Termine le siège central du DFW en augmentant la note des actifs. Pour augmenter la note des actifs de ton installation, envoie des expéditions capturer de nouvelles espèces, éveille, est-ce que... Ah. Je viens d'apprendre que vous aimeriez que nous intensifions nos efforts de capture. C'est le cas ? Affirmatif. Nous devons développer nos installations, mais nous manquons d'animaux. Le moment est venu d'éprouver la résistance de nos systèmes et de vérifier que nous sommes en mesure de gérer nos recherches et nos opérations. Entendu. Mes équipes sont prêtes à intervenir. Il reste encore pas mal de dinosaures dans la nature. De cibles potentielles. De ressources. Et oui, cette mission n'a désormais plus rien de temporaire pour nous. Je les place déjà, hein, parce que je sais bien que ça va arriver un jour. Ok, alors, là on est bon. Donc, terminer le siège pour augmenter la note des actifs, ok. Donc on va... je voudrais bien rechercher avant pour les structures. Ah. Chaque espèce correspond à un type. Pour plus de détails, consulte les fenêtres de statistiques du dinosaure. Chaque type de dinosaure peut cohabiter paisiblement avec certains nombres d'autres types. Ils partageront leur territoire avec plaisir. Certains types d'espèces sont incompatibles avec d'autres et entreront en conflit s'ils partagent un territoire. Ok, je ne sais pas où je peux voir ça où, dans le menu. Au centre... compatibilité. Ça va. Ouais, ça va. Allosaure. Hors champ. Pourquoi hors champ ? Ah, je suis obligé de mettre des stations de contrôle partout. En vrai, ce serait ça. Ah, certains bâtiments peuvent recevoir un certain nombre d'améliorations de bâtiments pour optimiser leur performance. Tu peux déverrouiller de nouvelles améliorations de bâtiments à la recherche ainsi que deuxième emplacement d'amélioration. Ok.
Appliquer un maximum de 2 améliorations uniques à chaque bâtiment dans l'onglet. Okay, ça... Je fais ça. Ça marche. Alors, juste parce que, comme il y en a qui sont hors champ. Mettre ça là. Justement, en fait, je voudrais bien améliorer le. Non, pas celui-là. Non. Celui-là. Comme ça, pour avoir plusieurs équipes. Ah, équipe de garde supplémentaire. Ça, ça me botte bien. Mais je sais pas si je vais pouvoir le faire. Bâtiment. Ah, bah je suis obligé de rechercher ça. Hop. On va partir là-dessus. Ok. J'améliorerai ça après. Alors, équipe de garde. Là, je peux encore en affecter une. Pour le reste, je pense qu'on est bon. Je pense qu'ils ont un grand enclos. Ça dit quoi la carte? En vrai, ça passe. Ah, ils sont au milieu de l'eau, eux. Ah non, c'est leur territoire. Ok. Eux, c'est ça. Et eux, ils restent comme ça. Ouais. Faut dire, il est tout seul. Ça roule. Alors, carburant. Et oh putain. Oh là 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 là, plus de jus là. C'est chaud. Remplir. Ok. Amélioration, centre de réaction, scanner de pointe, centre de ressources humaines, ok. Hop. Ouais non, d'abord les enclos, d'abord les clôtures, je préfère. Les clôtures. Allez, tous dessus. Ah, je peux pas. Hop, c'est parti. Voilà, on va être à fond. On va être à fond dans l'amélioration là. On va essayer de faire tout comme ça comme on peut. Alors, par contre, dans le parc. Pas moyen de mettre genre de la déco, des lampes ou genre de trucs. Oh, il y a une biquette qui se promène toute seule là-bas. Dire. Tout a l'air de bien se passer pour le moment. On améliore, on a des trucs à refaire. Faire d'expédition. Wow, il y en a plein. 1 sur 4, 1 sur 6, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 6, 1 sur 4, 1 sur 4. Oh! Un brachiosaure, trop stylé. Des témoins ont aperçu 3 diplodocus, nice. Sinoceratops, Parasolo, Dienorhizorictus, Baryonyx. Il y a plein de dinosaures que je connais pas. Aptorosaurus. Ok. Alors, ça dit quoi là, le pôle recherche? Ils ont fini? Je ne sais pas. Oui, non. Oui. Oui, ils sont en pause.
pourquoi c'est en pause? Ah, parce qu'il fait nuit peut-être. Pas le temps de... Non, pas le temps. Il fait nuit. Il fait nuit, tu travailles, point barre. Par contre, ça m'étonne. On me demande pas de réapprovisionner les mangeoires. Pour moi, il n'y a rien de tel que des clôtures et des portes bien solides. Ok. Clôture électrique moyenne, un élément déverrouillé. Donc... Ok. Ah oui, c'est déjà mieux. Je peux pas genre cliquer pour remplacer. Parce qu'à mon avis... Remplacer, ah oui voilà. Parce que pour eux, je préfère avoir des grosses. Ah oui, peut-être faire une par une pour pas qu'ils se fassent la malle. Parce que eux, ils sont niveau 6 et ça, c'est niveau 3. Je vais lancer une recherche tout de suite si je peux pour les enclos suivants. Peut-être recruter aussi un nouveau. Ah, 6 sur 9. On va recruter quelqu'un. Coup par minute. Vache, putain. Et il demande beaucoup les mecs, hein. Logistique. Oh, lui, il est pété. 30 000. Ouais, mais... Moi, je vois des dinos, donc c'est bon. C'est bon. Les dinos, ça attire du monde. Du coup, je vais améliorer mes clôtures. Donc les clôtures en cours d'amélioration. Pour nos gros lascars, là, je préfère. En place, oui. Je vais attendre qu'elle se pose pour être sûr que personne ne s'échappe. Parce que bon, il y a ce risque-là. Moi, ça m'arrivait, je les sédatais pour remplacer et alors j'étais obligé de faire venir l'hélicoptère pour les soulever et les redéposer parce que sinon ils voulaient pas se réveiller. Ils dormaient indéfiniment. Ce qui, pour un parc à dinosaures, est quand même un peu dommage. Bon, après, je pense pas qu'ils vont venir par ici, nos copains. Ouais, regardez en bas comment ça monte là. Les rendements, ça va, c'est bon. Ils sont là, ok, bon, ça va, je peux finir. Alors, lesquels j'ai posé? Celle-là, c'est bon. On va déjà commencer avec des barrières comme ça et je verrai bien pour les suivantes. Voilà. Nouvel enclos tout beau, tout propre. Celle-là, ça va devenir les clôtures par défaut. Alors, donc, nouvelle clôture. Ah, niveau 4. Et c'est quoi la différence? Ah oui, elles sont un petit peu plus mastoc aussi. Ouais, bah je verrai plus tard. Je verrai plus tard ce que ça dit. Oh. Défonce pas mon micro. Je verrai plus tard ce que ça dit. Alors, 1472, termine le siège en augmentant la note des actifs. Oui, ça du coup, accéder aux recherches, on va continuer. Ça pour le moment, j'en ai pas besoin.
Alors, structure. C'est quoi ça, contrariété? Ah, elle est contrariée de bosser là-dessus? Je vais te faire bosser sur autre chose. Tu veux travailler sur autre chose? Attends, je vais t'envoyer... Je vais lui accorder un congé. Ah, voilà. Faut qu'elle parte en congé, en fait. Carburant, on réapprovisionne. Voilà. Ok, ça c'est bon. Alors, je m'en fous. Carte des expéditions. Il y a des alertes partout. Ah, il n'y a plus qu'elle de dispo. C'est un peu dommage. Ok. Ah, c'est un peu du chipote, hein. Ah, mais je peux accélérer le temps. C'est vrai que je peux accélérer le temps. Ou pas, en fait. Je sais pas. Ah, base de données. On va regarder ça un coup. Ah, la base de données de Jurassic World garde une trace de toutes les découvertes et les éléments déverrouillés dans le mode de jeu, dans les modes de jeu. Déverrouille les éléments grâce à la recherche, découvre de nouvelles espèces et progresse dans chaque mode pour débloquer de nouvelles entrées. Chaque élément déverrouille peut être retrouvé dans le mode bac à sable. Ah oui, d'accord. Donc on n'a pas tout directement dans le bac à sable. Paléontologie, bâtiment, pathologie, univers jurassique. Ah. Ouais. Georges Lambert. Ok, ouais. On s'en fout un peu en fait. Pennsylvanie, Arizona. Moi, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu de savoir avec qui ils pouvaient vivre. Ah, bah voilà. Tu te calmes. Ah, présent à Jurassic... Ah non, ça, c'est vu dans Jurassic Park 3, Jurassic World et Jurassic World. Si je comprends bien. Découverte, paléontologie au Canada, et dont le climat à l'époque chaud et humide, il préfère rester près des rivières, des forêts et des zones marécageuses afin de se rafraîchir pendant des périodes plus chaudes. D'accord. Oui. Fait 8 tonnes. Hein. Ah, tranquille. Ah, il y a beaucoup de dinosaures. Oh, les dilophosaures, les pires. Ah, il y a des oiseaux volants ce coup-ci. Enfin, des dinos volants. Dinos aquatiques. Oh la vache. Bon, ça, c'est le T-Rex. C'est une baleine. Vélociraptor. Oh, il y a la blinde de trucs. Il est hyper détaillé. Alors, pour le moment, les recherches, ça dit quoi? En pause. Ok, alors. Carte des expéditions. Alors, je voudrais avoir quoi? Brachiosaure. Combat de dinosaures. En vrai, ça me plairait bien, brachiosaure. Un petit brachio. Ça vous dirait pas? Petit brachiosaure. Alors, opération. Je vais remettre un centre de visu ici. Tac. Brachiosaure. Du coup, il leur faut un espace énorme au brachiosaure. Mais les brachiosaures, ils peuvent cohabiter avec des tricées.
je pense les enclos sont beaucoup trop grands. Mais les brachiosaures, ils sont énormes, donc je vais devoir... Ouais, je vais mettre un générateur. T'occupes. Oh ouais, c'est tout de suite un petit peu mieux. Voilà, tac, comme ça. Ok. Et pendant que ça se construit, le générateur, on va le mettre bah ici, histoire que ça englobe ça. Ok. Est-ce que je peux mettre un centre d'observation là en face ? Oh oui, incroyable ! Mettre ça là. Ah, je claque là, je claque. Hop, ça c'est bon. Et je vais mettre une porte d'accès là. Hop. Ça, c'est bon. Le petit bunker. Ce qu'il faut prévoir à tout. Ici. Voilà. Et on est bon. Pour le moment, ça se développe plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il est tout beau mon parc. Alors, je vais raser un peu les arbres là parce que les brachiosaures, je pense pas qu'ils vont apprécier tout ça. Peut-être quand même un petit peu comme ça, voilà. Il faut pas oublier que les brachios, ça mange beaucoup. Ça mange beaucoup parce qu'ils sont énormes. Voilà. Ça c'est bon. On va placer une balise. Une balise là et une balise. On va remettre une. Voilà. Oh, ici je pense. Ça vaut pas la peine d'en mettre plus. ...4/5, c'est la dernière que je peux leur assigner. Ça va falloir une deuxième équipe, ou un deuxième bâtiment, mais bon, un deuxième bâtiment, ça coûte un peu cher le bâtiment. Alors, amélioration... Scanner... Oh ! Ah, ça c'est cool. Ça c'est top. Amélioration... J'ai rien... Centre d'opération, je sais. Ah voilà. Condition 1 million. Mais let's go, on s'en fout. Ah. Capture, un brachiosaure trouvé, capture en cours. Rapport Pennsylvanie, espèce brachiosaure capturé. Pas d'évasion. Ok. Transporter le dinosaure, son enclos est presque prêt. Pourquoi elles sont toutes niveau 4 et celle-là niveau 3? C'est quoi l'arnaque? Attendez. Ah oui, voilà, parce que là, elle est électrifiée. La cible a été récupérée. Oh, le v'là. Oh, comme il bougeait. Ah oui. Il n'est pas à l'échelle, si. Je lui fais un enclos énorme, ça se trouve, en fait, il n'en a juste pas besoin. On lui ramènera un ami. Oui, non, mais moi, je voulais améliorer le bâtiment. Ok, je peux pas. Qu'est-ce que je peux encore améliorer? Je fouille. Ah, voilà. Réduit le coût des congés de des formations scientifiques. La cible est arrivée à bon port. Là. Pas d'amélioration pour ça, évidemment. Centre médical, amélioration, non.
centre de recherche. Non. Ok. Bon. Ah oui, non, les abris, voilà. Oh, regardez, il est là. Ça y est. Il est là, le brachio. Ok. Bah écoutez, je vais le faire moi-même. Contrôle direct. Tu feras ta tâche plus tard. T'as une mission à faire avec notre petit brachiosaur. Enfin, petit, faut le dire vite. Ça n'empêche, elle braque pas cette voiture, c'est une horreur. Rêve d'une forêt. Ah, pathologie diagnostiquée. Ok, on envoie l'équipe médicale. Ajouter une tâche. Tu vas me le scanner. Et elle est là, ta forêt. Confort, 70, santé, nourriture. Noir en hauteur. Ah, forêt. Oui, ça y est, forêt, il trouve. Noir en hauteur, ok. On augmente un peu le rayon. Ça s'adapte pas du tout au... Et merci beaucoup à toi, LittleGamer111, pour ton follow, bienvenue. Installe-toi, ça fait plaisir. Alors, du coup, on était où? Manque en noix. Salut! Manque de noix en hauteur, ouais, mais il y en a plein là. Santé. Cohabitation 0. Superficie. Population. Noix en hauteur 34. Putain, il en faut encore. Sérieux. Salut, salut à toi. Feuille en hauteur. Il a besoin de feuilles en hauteur ou de noix en hauteur? Je vais te traduire. Ouais, je parle pas. Oula! Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il y a un animal de. Oh, quoi? Pardon? Pardon? Mais quoi? What? Une fucking. Mais quoi? Quoi? Les dinosaures paniquent. Et je dois avouer que je n'aime pas ça. Oui, oh là là, c'est une blague. Oui, là c'est moi qui panique. Moi qui panique là. Ok. Au secours. Les barrières n'ont rien, sans électricité. Évidemment, la tornade se dissipe. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a une clôture à réparer ici. Non. Les clôtures n'ont rien. Ok, il n'y a plus d'électricité. Ok, bon, c'est passé. La panique. Oh là 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 là, quel bordel. Alors... J'ai un dino blessé. La tempête commence à se calmer. Nous vous prions de regagner. Il est où le dino? J'ai un dino blessé. Ah non, c'est le brachio! Mais non! Pas le brachio!
Le brachio, c'était le meilleur. Bon, alors, attends. Viens là, toi. Viens là. Contrôle direct. Ok. On ira plus vite comme ça. On va tout réparer à la va-vite. Enfin, à la va-vite. Une tornade, quoi. Au secours. Ok. Ça, ça répare. J'ai des groupes électrogènes, j'ai plus de courant. Générateur, approvisionné. Ok. Ça coûte cher une tempête, hein. Plus 5, ok. Qu'est-ce qui cloche? Oh non! Il a trop donné. Voilà, c'est bon, c'est reparti. Ça, c'est bon. Oh, quel bordel. Quelle horreur. Blessé, lacération. Ok, bon, on envoie l'hélico. Équipe, ajouter une tâche. Tu me le sédates. Ok. Et alors, l'équipe de transport va venir le récupérer. Ok, bazar. Quel bazar. C'est quoi ce bazar? Ok, alors. Ah, c'est vraiment chiant, ça commence à bien se développer, merde! Zut. Ah ouais, là l'argent, ça s'est cassé la tronche, là. Oh là là. Oh, la chute. La chute dans les biens commerciaux de l'entreprise. Je vais te soigner, mon coco, je vais te soigner. C'est pour ton bien que je fais ça. Je vais te soigner. Je vais te soigner. Allez, fais dodo. Ok. C'est parti. On va te soigner, Fieu. On va te soigner. Oh, j'ai tout juste. Ah ouais, non, voilà. C'est parti. Aidez-le. Aidez mon petit brachio. S'il vous plaît. Il aura pris cher. Bon, tout est de retour opérationnel. J'espère. Ça a l'air. Une tempête, quoi. Allô. Ok. Transport en cours. Pourquoi ça a pris cher? Donc notre brachio. Alors, les visiteurs, ils doivent quand même bien rigoler. Hein. Rigoler. Genre, oh, regarde maman, un brachiosaure volant. C'est incroyable, c'est trop bien. Bon, ça c'est réglé, du coup, il n'y a plus rien qui déconne. Les centres, ils ont été fermés, donc ça c'est bon. Notre brachio, il va être soigné. C'est vrai que la tempête, je m'y attendais pas. Waouh, l'animation incroyable. Je savais pas qu'à brachio, ça tenait comme ça. Insane, incroyable. On va passer un peu le temps. Ok. Transporter. Et tu retournes dans ton enclos. C'était... Ouais, pas faire de bêtises. C'était celui-là. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Après, peut-être qu'ils peuvent cohabiter. Je pourrais essayer. Genre, je vais mettre deux portes là et on va voir. Je peux les ouvrir manuellement, les portes, je pense. Ouvrir la porte, ouais, je peux le faire. Et à la limite, j'essaye de les faire cohabiter. Je fais un petit chemin là. J'essaie de voir si ça passe ou pas. Ou s'ils se mettent sur la tronche. C'est clairement de l'expérimentation sur les animaux, hein, mais... après tout, hein. Contrôle de routine requis. Pourquoi le poste de garde Ça, c'est bon. Ça arrive. Il court dans tous les sens. Contrôle direct. Est-ce que je peux le faire d'ici? Ouais. Satisfait. Ok, lui va bien. Et celui-là?
Il va bien, voilà, c'est bon. Suivant. Donc, eux, ils vont bien, c'est cool. On a échappé au pire. Alors, on va refaire des recherches. Oh, quoi ? Livraison terminée. Bah oui, mais tout s'est cassé la gueule à cause de la tempête, évidemment. Ok, bon, structure. Ah, amélioration de vigilance météo, genre le truc hyper utile. Ça j'améliore tout de suite. Centre de contrôle, centre des sciences, centre de réaction, centre parent, expédition, ressources humaines, ok. Allez Coco, on y va. C'est parti. Push, on y va. Pour monter ça. Putain, j'étais bien monté, ça saoule. Vas-y, speed. Salut, Redimax. Re. Allez, pousse. Pendant que le garde, il fait sa visite, là. Ok. Donc... j'ai plein d'améliorations, je vais la foutre tout de suite dessus. Parce que là, j'ai pris hyper cher. Protection contre les orages. Je savais pas, n'empêche, en Pennsylvanie, il n'y a pas de tornade. Ok, ça c'est bon. Après, je vais protéger les bâtiments prioritaires. Je préfère. Ah, je peux fermer le parc. Comment foutre son parc dans la mouise? Tu fermes le parc. Non, ça, je vais laisser. Voilà. Voilà, j'ai une partie. Et alors, eux, je sais pas si je peux... Non, je peux pas. Rien faire pour le moment. Ok. Alors surtout il y a des visiteurs tout le temps, ça c'est drôle. Ça va, c'est intéressant en pleine nuit. Ouais. Vous voyez bien les dinosaures de nuit? Bah tant mieux pour vous alors. Mais ici on voit que c'est plus axé sur la recherche que ce que c'était dans le premier où c'était des centres pour les visiteurs quoi. C'est pas vraiment un parc, enfin, c'est un truc où ils recueillent, où ils soignent les animaux. Poste de garde. Il est où le brachio? Il est pas sous le brachio. Attendez. Ah, il est là. Il dort. Manque de noix en hauteur. Mais tu rigoles ou quoi? J'en ai mis la blinde. Noix en hauteur, 34%. Bah ok, bah tu vas les avoir tes noix en hauteur. Voilà, t'es content? Là, il y en a plein. Là, il y en a plein, la blinde. Ah, je suis même pas à la moitié. Quelle horreur. En vrai, je sais pas s'ils peuvent cohabiter. Attendez. Est-ce qu'ils sont... carte. Il est plutôt content. Parfaite. Cohabitation. Ah, donc il peut cohabiter avec d'autres. Il peut cohabiter. Bah écoutez, ouvrons-leur la voie. Non, comme ça, ligne droite. Ouais, moi j'isole, mais. J'ai carrément isolé. Tac. Bam, on casse tout. Et je vais quand même mettre une porte, hein, je suis pas fou. On va mettre une petite porte par sécure.
Hop, voilà. Et on va la raccorder. Comme ça, tac. Incroyable, meilleur port du monde. C'est dégueulasse. Voilà, c'est bon. Ok. Et on ouvre. Voilà. Et comme ça, elle va rester ouverte. Nickel. Comme ça, si notre ami Brachiosaur va aller faire un petit tour par là, il pourra. Même si c'est vrai que mettre la porte au milieu de l'étang, enfin à côté de l'étang, c'est peut-être pas le meilleur des plans que j'ai eu. J'avoue. On va faire un petit chemin. Hein. Passage là pour aller dire bonjour à ses copains. Je sais pas du tout si c'est une bonne idée, on le saura sur le long terme, mais la porte primordiale s'il y a un problème, pouvoir reséparer les enclos en cas de besoin. Bon, maintenant ils ont une énorme zone, mais je vais essayer de transférer les herbivores là-dedans. Il est où le brachio? Et il est là, il dort. Ah, il est satisfait, c'est bon. Oh, regardez. Il dort, c'est trop mignon. Il tape la meilleure sieste de sa vie. C'est génial, c'est génial. Ok, bon. Ça monte tout doucement, hein. C'est pas top. On va relancer des recherches. Bâtiment. Comment ça t'es fatigué, feignasse? Allez, pars en congé, feignasse. Feignasse. Ok. C'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Ah, je me suis cogné sur... Ah, je me suis explosé le pied sur... sur ma chaise. Ah, ça fait trop mal. C'est hyper mal. Bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. J'ai des territoires de fou pour mes dinos. Notamment cet enclos-là qui est incroyable. Alors, sur la carte, ça donne quoi? Je rigole. Ah ouais. Donc, notre truc d'électricité en panne. En vrai, s'ils peuvent cohabiter, je vais remettre l'enclos comme ça. Mais ça, c'est des gros trucs, alors qu'ici, il n'y en a pas des masses. On verra. On verra un peu ce qu'on fera. Enfin, bon. Je vais accélérer le temps pour faire passer ça. Recherche, formation scientifique. Oh, oula, 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 qui se fait attaquer? Où est-ce qu'il est, ce débile? Mais il était trop con aussi. Allez, fous le camp. Ok, bon. Il est toujours en congé. On va écourter son congé. Ok, carte des expéditions. Alors... Ça, je vois pas ce que c'est. Sinoceratops, Diplodocus. Bah, on va aller chercher celui-là. Hein. Ouais, il va pouvoir cohabiter avec. Il va pouvoir cohabiter avec notre pote. On va avancer le temps. Pas de tornade. Hein. Une, ça m'a suffi. Allez hop, tu charges. De toute façon, je vais pas tarder à vous laisser parce que il se fait tard. Et bah demain. Demain, c'est boulot, 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 malheureusement. Faut bien bosser, hein.
Et sa croûte. Ah. Capture. Espèce Diplodocus. Ah, capture échouée. Une évasion, dommage. 2 sur 3. Bah, c'est déjà pas mal. Transporter le dino et on va le foutre. Ouais, ici. Hein. Cible en transit. Je pense qu'il peut, il peut cohabiter avec le brachio. C'est une énorme jungle là. Je vais virer les arbres. Je sais pas, il rêve d'une forêt puis en même temps d'arbres hauts, je sais pas trop. Cible à destination. Ok, alors. Contrôle de routine requis. Véhicule menacé, mais quel débile, où est-ce qu'il est encore? Où est-ce qu'il est ce con? Où est-ce qu'il est? Ah là 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 là, ouais mais... Je sais pas comment c'est codé, mais c'est inquiétant. Ah, il est quand même fort élevé lui, hein. C'est quoi sa validité contrôle? Ah oui, d'accord, ça. C'est à chaque fois qu'il y en a un qui a été contrôlé, d'accord. Oh, quel bazar. Faut que j'améliore mon. Faut que j'améliore mon truc, moi. Bon, on va prendre le contrôle. Contrôle direct. On a fini d'examiner. Boum. Allez, sors. On va te faire dézinguer. En vrai, il aura pas changé. Oh merde! Oh, j'ai cassé la voiture. En vrai, il aura pas. Le jeu n'aura pas changé tant que ça, je trouve. Je vais passer par les voies, ce sera plus rapide. J'ai l'air de buquer un petit peu dans les buissons. Attention! Ok. Ok, quelle horreur, j'aurais pas pensé que j'avais fait autant de merde. Confirmation de la condition de la cible. Oh, salut. Résultat transféré. Rêve d'une forêt, mais t'es dans une forêt débile. Une forêt juste à côté de toi. Ok, bon, encore une fois, ils sont malades, les loulous. Toujours malades. Je vais me les contrôler. Et sinon, dans l'ensemble, comment va le parc? Ouais. Ouais, là, c'est normal. Il y a personne qui va là-bas. Ah, si. Accessibilité des abris. Ouais, ça, c'est bon. Distribution des agents gouverne. Influence des agents. Attrait des agents. Ouais, plus attractif. Visibilité. C'est quoi ça? Patrouille de garde. Apportée. On va sauf celle-là, voilà. Électricité, c'est bon. Et alors? Protection contre les tempêtes. Ouais, bon, j'ai mis les principaux. Alors, qu'est-ce que c'est, problème de cohabitation? Ah mince! Pourquoi? Partager avec Brachiosaur. Ah mince! Il aime pas. Oh l'erreur! Et il aime bien. Il aime bien les voisins. Aime. Oh non, je vais devoir construire un nouvel enclos, vraiment. Ils sont où? Oh non, je vais vraiment devoir.
Oh non, je vais vraiment devoir reconstruire un enclos. Déçu. Ah, du coup, je sais qu'ils aiment pas, donc je vais reverrouiller ça. Bon, niveau place, ça commence à devenir un peu compliqué là. Au pire, je coupe l'enclos en deux. attendez. Je peux faire ça, je peux couper l'enclos en deux. Tac. Et alors voilà, c'est la coupure la plus incroyable que j'ai jamais vue de ma vie. du coup, celui-là, tu vas me le sédater. Et voilà, mais le ah non, mais le brachio est pas du bon côté. Du coup, tu vas m'en sédater deux. Je suis carrément de la merde, hein, on va pas se mentir. Alors tu me sédates celui-là et tu me sédates celui-là. Ah, et il faudrait me sédater celui-là aussi en fait. En fait tu me les sédates tous. On va se faire plus vite, voilà. Bon, une fois qu'ils sont sédatés, on va se laisser. Parce que le brachio, je vais le mettre là et les deux autres, je vais les mettre là. Mais bon, l'enclos est un peu petit. En vrai. Et quand on regarde sur la carte, ça fait un peu pitié. Pas tant que ça en vrai. Oui, ils ont des enclos de fou. En vrai, je devrais couper celui-là en deux plutôt. Non, je pense au bonheur de mes dinos, mais c'est vrai qu'il ressemble à rien cet enclos. Il ressemble à rien. Alors, il me faut que je transporte celui-là. Il va là. Et toi, tu te vas là. Et toi, tu vois là. Voilà, top, je le déplace d'un côté. Regardons ce magnifique changement de côté. Pourquoi j'ai... Qu'est-ce... Pourquoi elles sont pas alimentées ? La cible a bien été transportée. Objectif atteint, cible livrée. On va le foutre là-bas. Ben voilà. Et du coup, je suis sûr qu'ils sont pas du tout heureux. Parce que c'est ça, la beauté des dinosaures. C'est qu'ils ne sont pas heureux, et on en a rien à foutre. Tac. Et alors, on va détruire tout ça. Voilà. On va remettre une porte. Ici. Voilà, c'est bien. Voilà. Et là, du coup, tout le monde est heureux. N'est-ce pas ? Rêve d'une forêt. Yes. Et notre ami. Ah, lui, il est toujours content. Ça, c'est bien. Mais vous êtes dans une forêt, les mecs ? Petite forêt, mais vous êtes dans une forêt. Je vais retransformer le... Voilà, ici. Sans électricité. Qu'est-ce qu'il n'y a plus de courant ? Voilà. T'es dans une forêt. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'électricité ? Mais what ? Ah merde, il n'y a plus de jus. Ah ouais, mais c'est les prédateurs. C'est pas le bon plan, ça. Ok. Tout qui tombe en panne, au secours. Ah, mais tant que j'ai pas de... Je peux pas faire la routine.
C'est qui chiant, je peux rien faire pour le moment au niveau de l'entretien. Carte, visibilité. Plus de carburant non plus. Ouais, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher. Je tâtonne un peu, je tâtonne un peu. Il n'y a plus rien non plus. Quelle idée de mettre ça. Faut pas mettre du géothermal. Et what, il vient d'être installé, lui. Ah, mais c'est peut-être les nouvelles barrières qui consomment la blinde aussi. Parce que j'ai pas regardé combien ça coûtait. Confort, contrôle de routine requis, contrôle... Et what, viens là toi. Ah bah il est là. Oh tu vas où, tu vas où, tu vas où. Va le contrôler Coco. Et va le contrôler. Ah ouais mais il a fait volte-face parce qu'il n'y avait pas de barrière là à l'intérieur. C'est pas grave. Ouais. En vrai ici, ce serait peut-être bien le truc de mettre une deuxième barrière. Voilà. Et là, du coup, tu peux y aller. Les portes qui spawnent comme ça, incroyable. Alors, où est-ce qu'ils sont? Parce qu'évidemment, j'ai tellement de bordel. Ah, voilà. Manque de fruits en hauteur. Ah, il faut des fruits en hauteur. Il est où son copain? Ah yes. Mon copain est là derrière, donc je dois remettre des arbres en hauteur. Cet enclos, c'est une horreur. Voilà. La main de la cible ferme. Manque de fruits en hauteur. Ok, bon, on va remettre des fruits en hauteur du coup. Feuilles au ras du sol, fibres. S'il veut ça, je vais remplacer tous les arbres qui sont là par ça en fait. Peut-être pas en fait. Du coup, c'est pas vraiment une forêt. On va voir. Ça ressemble à une forêt. Ah oui, là comme ça tout de suite, c'est beaucoup mieux. Et là, qu'est-ce que t'en penses, mon coco? Ça veut d'une forêt. Ok. C'est toujours pas une forêt. Ça va, j'ai compris. Je vais te rendre heureux. Je vais te rendre heureux. Faut pas faire pour en faire plaisir à Dino quand même. Bon après je sais pas si ça suffira. Je pense pas. C'est horrible parce qu'on les voit pas. Confort 89. Ouais, il y a presque hein, mais c'est pas encore ça hein. Il dort. Ok. Ou alors je mets toute cette zone là en forêt. Comme ça. Voilà comme ça. Il y a une forêt et là il y a des arbres en hauteur et là du coup il est bien. Voilà. Parfait. Notre brachio, il est content aussi. Donc tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais, donc quand même ça fait pitié la coupure que j'ai fait là. On va remettre un petit peu plus de... Tac, voilà. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. C'est pas beau, ça? Si, c'est beau. C'est incroyable. Ok, bah écoutez-moi, les amis, je vais vous laisser ici. C'est une fin de live.
qui était, ma foi, fort sympathique. On a fait encore une bonne petite heure et demie, là, je pense. Ouais, une heure quart. Donc, merci à tous. C'est quoi ça? Ah ouais, non, là, je suis obligé de prendre ça. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live, ça faisait bien plaisir, et je vous dis à la prochaine. Merci à tous, une bonne fin de soirée. Ciao, ciao!